1 et 2 3 4 1 et 2 3. J'essaie d'apprendre un peu tous les styles. Après, je fais beaucoup en fonction de ce qu'on me demande aussi. Il y en a qui veulent progresser techniquement, d'autres veulent plutôt apprendre juste des morceaux pour se faire plaisir. D'autres découvrent juste la base, donc on apprend vraiment les fondamentaux, le rythmique, les cordes, les notes. Et puis on essaye aussi de se tourner un maximum vers la scène, en fait, le scénique. C'est qu'ici, c'est hyper important d'avoir un contact avec la scène, de voir les concerts, de monter sur la scène de Diffart, de faire un concert en fin d'année. Voilà. Il faut savoir qu'à Diffart, c'est quand même une école de rock, quand même. C'est quand même la particularité de Diffart, d'avoir un aspect. Ce qui entoure l'école est assez rock, les profs, les ateliers, les concerts. Donc voilà, ici on apprend, bon, on n'apprend pas que du rock, mais on apprend surtout les musiques actuelles. Vraiment tout style peut être travaillé. Moi-même j'écoute à peu près tous les styles de musique, passant par du rock, du reggae, du funk, de la pop, même du rock progressif, un peu de classique. Voilà, tout est bon à prendre. Et puis si j'avais quelques artistes à citer, je dirais à la basse évidemment Jamiroquai, parce que voilà, c'est quand même niveau basse, c'est hyper complet et c'est très riche après. Et sinon, les groupes de rock progressif tels que Genesis ou Yes.